Salut à tous les amis, ici Fantéquin Troll, plus connu sous le nom de Fanta, et bienvenue dans One Troll Army, qui est un jeu gratuit disponible sur Steam, et il est vraiment très cool. Pourquoi il est gratuit? Bah, c'est Tiny Build, qui avait eu beaucoup de succès cette année, avec notamment Punch Club et d'autres jeux sympas, qui avait lancé un défi à des joueurs sur Twitch, et ils étaient complètement prêts à baisser le prix jusqu'à zéro. Si les joueurs gagnaient, c'est ce qu'ils ont fait, donc tu peux complètement jouer de manière illimitée à ce jeu, il est tranquille, et je vais te présenter un petit peu comment ça se passe. Alors, je sais pas si tu connais un petit peu les jeux Tower Defense, mon petit gars, mais on va y aller. Donc je vais refaire le strobug. On peut pas? Ah putain, je peux pas. On va faire une nouvelle partie, sinon ça va être chaud. On va partir dans medium, on va faire la strobug, la première forteresse, et vous allez voir un petit peu comment ça se passe. Il y a très loin dans la sauvagerie, dans les lieux sauvages, il y avait des petits gobelins complètement médiocres qui sont partis. Ok, ils ont vu des étrangers relativement méchants. Ma traduction est pourrave, et ils ont demandé l'aide des divinités locales, et bien sûr, directement venu du ciel, un troll. C'est quoi tout ce bordel? J'essaye de dormir. Oh good god, je suis pas un dieu, qu'est-ce que tu veux? Peut-être tu peux nous aider, il y a des nomades qui sont en train qui vont nous faire le cul. Ok, donc en fait ils vont construire leur défense pendant que je vais les défendre. Ok, donc ça veut dire quoi? T'arrêtes de me faire chier si je t'aide? D'accord. Ok, donc on y va. Et on va aider les gobelins. Les gobelins. Directement avec mon petit pépère, il n'y a pas de problème. Alors, vous allez voir, c'est vraiment très smooth, très cool le projet. On arrive ici à la base. Et on va les aider à construire leur défense. Putain, ils sont partis où? Oh non, tu déconnes, je suis sûr que parce que j'ai pas pris le chemin. Ah si, c'est bon. Ok, t'as même pas de mur. Ok, on va le faire. Allez, au boulot. Donc on va assigner les builders, vous allez voir, c'est relativement simple. Les builders, j'en ai 4 sur la gauche, ping, je les mets. Et ils vont faire les murs. Les murs, on va faire des walls. Pour l'instant, on a complètement ce qu'il faut en stock de ressources. Et ping, c'est parti. Fabriquez-moi ces murs, il n'y a pas de problème. C'est bon. Bon bah c'est good, vous allez voir, ça va être très 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 simple et ça va être très très agréable. Et surtout qu'il y a plusieurs niveaux de jeu. Ok, maintenant on va les envoyer chercher du bois. C'est plus rigolo. Je voulais accélérer le temps mais l'option n'est pas encore disponible. C'est parti. Ok, bon voilà. On va leur faire chercher du bois, j'ai 30 bûches jusqu'à maintenant. J'ai un petit peu de loot, donc le matériel. Et de l'or, donc jusque là tout va bien. Au niveau objectif... Pour l'instant, il n'y en a pas. Ah, dis donc, il y a une armée qui est en train de se construire, on voit. Et ça y est, les prêtres. To battle. Ok, donc en fait, je vais être les seuls à les taper, quoi. Pendant que les autres, ils restent complètement peinards. Et que moi, je spam clic tranquillou, en essayant de pas mourir. Donc l'idéal, c'est de pas les aggro tout de suite. Et de les laisser taper sur le mur pendant qu'en fait, on les finit. Voilà, mais il y a quand même une difficulté, hein, en fait trop, ça dépend. Bah, après, il y a différents niveaux de difficulté, j'ai récupéré l'or, c'est bon. Très bien. Ok, on va faire une petite pause, qu'est-ce qu'il veut? Super, maintenant il va falloir, ils vont se réunir jusqu'à la prochaine attaque. Donc voilà, ce sont des attaques par vague, comme la plupart des Tower Defense, donc on va attendre. Donc pour, avant qu'ils arrivent, on va faire en sorte qu'ils récupèrent du loot. Le loot qui va récupérer un petit peu les ressources ici là, sur le sol, ça va augmenter la taille. Et c'est parti mon kiki. Très bien, et on peut augmenter les skills de mon pépère avec de l'or et des ressources. Donc c'est parti, maintenant j'ai un super coup. C'était ici, très bien, je reviens en mode normal. Faut que j'upgrade Tower Weapons. À deux barracks, you can upgrade. Ok, d'accord. Donc il faut qu'en fait je fasse une... Ah, il faut que je fasse un Town Hall. Town Hall, ouais, tout à fait. Donc là, on va pouvoir booster un petit peu les ouvriers. Et on a tout ce qu'il faut pour le faire. Donc c'est parti, mon kiki. Ils vont construire ça, bien sûr. Il va falloir que j'attribue des builders. On croirait à la musique de la soupe au chou presque. Ok, c'est bon. Ici, il y a la
Il y a la vague d'ennemis qui est en train de se préparer. D'ailleurs, je vais mettre un petit peu sur le côté. Je voudrais pas crever comme un gros yinche. C'est parti. Est-ce que vous avez bientôt fini, mec? Ah non, ils ont pas fini. Ah si, ils ont fini. Juste à temps, les amis. Juste à temps. Ok. Alors, a priori, il me propose de me heal. Mais pour ça, ça va me coûter des trucs, il me dit. Ok, là, ça se passe plutôt bien. Bon, on voit le Fanta qui a l'habitude, hein. Fanta l'habitude. Et clic, clic, clic. Ah, la première fois, j'étais mort de la deuxième vague. Pom, plam, plam, plam. Hop. Et après, je récupère les pièces autant que possible. Ok, very good. Donc, il propose de mettre des réparateurs, d'accord, bon. Déjà, tu vas me prendre des gens au loot et un réparateur ou deux. Un seul réparateur, deux réparateurs, trois loot. Voilà. On va upgrade le chaman pour le healing. Comment on fait ça? Upgrade ability. Ah, c'est ici. Le chaman peut heal le troll et on a tout à fait ce qu'il faut. Par contre, on va pas rien pouvoir construire d'autre pour le moment. Et regardez! Là, je suis en train de récupérer des points de vie parce que cette petite amélioration permet, entre les vagues, que ce mec-là vienne améliorer mes points de vie. Bien sûr, on peut booster le nombre de heals qu'il peut faire. Voilà, la vitesse de heal. Voilà, tu peux booster ton troll, tu peux booster ta ville. Tu vas voir, il y a différents niveaux technologiques. Et là, il me dit, vas-y, maintenant, t'as des boules. Provoque une attaque. Bon, d'abord, je veux bien provoquer une attaque, mais on va attendre que je sois quasiment full life. Et à partir du moment où tu veux... Tu vas attaquer toi-même les ennemis et à partir de ce moment-là, forcément, tu n'as plus... tu déclenches la vague automatiquement, en fait. Ça peut être utile si tu as besoin, par exemple, de ressources ou alors que tu n'as pas envie que la vague soit trop grosse parce que tu n'es pas prêt, mais que tu as suffisamment de points de vie. Alors là, par contre, je vais crever. Ok, je vais crever. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu crèves? Tu te rends, tout simplement. Tu ne gagnes rien. Tu ne gagnes rien, ça t'a juste pas perdu. Sauf ça dépend le mode de jeu dans lequel tu es. Mais j'ai pas récupéré le loot sur cette histoire. Donc je me suis fait juste rect, mais c'est pas grave. Je me donne quand même une nouvelle chance avec une tower upgrade ici. Et tandis que je vais y mettre des boules d'or. De toute façon, il n'y a pas de loot à ramasser. Ça aurait été bien de mettre un mec à ramasser du bois. C'est mieux que rien. C'est pas beaucoup. La tower est dans son à combien de temps? Hop, tower, 61%, 62, 74, ici, hop, vitesse, hop, on va faire ramasser un max de bois. Bien sûr, ils veulent des baraques tout de suite, mais on n'a pas assez de bois, donc on va... Et donc, on va les affronter pendant que les autres ramassent du bois. Je pense que d'ici que ça soit plein là, on en aura récupéré pas mal. Super. Ok, on va se les faire. Maintenant, on a peut-être une petite tour pour nous aider. Une tour qu'on pourra améliorer avec différents niveaux technologiques, bien sûr. Ok, lui, il me tape. On va vraiment privilégier de taper ceux qui nous tapent. Je pense que ça va être la stratégie que je vais adopter. Bam, bim, boum. Alors, on peut zoomer, hein. Si t'as envie de zoomer, il n'y a pas de problème. Et on a gagné. Super. Je vais aller vitesse normale. Je vais mettre un petit peu de ramasseur de loot. Donc c'est good et il faut build des baraques. Est-ce que j'ai assez pour les baraques? C'est pour améliorer les compétences des gardes. 100 et 30. Non, bah alors plus de bois. 100 et 30. Tandis que les autres ramassent toujours du loot. Ok, bientôt le bois il arrive. Là je regarde en bas, on est à 29. Et voilà. On va aller ici, je vais fabriquer les casernes. Et c'est parti mon kiki, je vais assigner des builders, on va arrêter avec le bois. Le loot c'est fini, build. Alors, c'est parti, 17, 28, ça se trouve on aura les baraques avant la fin du truc. C'est bon, on est bon. On profite du temps qui reste pour faire ramasser du bois. Go, go, go Power Ranger! On danse les amis, on danse! Alors par contre ça va être fini. On n'a pas eu le temps de ramasser le bois. Et on va se récupérer cette armée. Il faut penser aussi à réparer le bordel. Hein. Je n'y pense pas toujours malheureusement. Ok, ça c'est pas mal. Alors,
ceux qui nous tapent d'abord, on avait dit. Allez, ceux qui nous tapent d'abord. Allez, zoom un peu, fantôme, sinon on voit que dalle. Et bim! On prend le fric, on ramasse le loot. Très bien. Et il veut que j'upgrade le storehouse. On va faire ça. Combien ça va coûter, le storehouse? Alors ici, ce sont les achievements. Hein. T'es pas obligé de tous les regarder. Hein. C'est juste tous les achievements que tu peux faire. Le store, ça va être pour échanger de l'or contre du bois et inversement. Et pour l'upgrade, il va nous falloir... on a tout ce qu'il faut pour l'upgrade. On va arrêter de ramasser du bois. Le loot, c'est bon. Et tout le monde va se mettre à fabriquer ce bordel. Comme vous avez vu, avec le temps, on a de plus en plus de builders. Alors, il dit quoi? On peut fabriquer une taverne, upgrade une taverne pour essayer de faire venir des combattants. Bah écoute, on n'est pas contre. Déjà, on va réceptionner peut-être ces deux couillons. Ok, je vais venir ici et balancer mon gros coup de poing parce que sinon ça va mal se passer. Pendant que le coup recharge, bien sûr. Mes points de vie qui descendent, le chaman de toute façon va me heal. Ici, on met un gros coup de bourre. Alors, Hein, qui c'est le plus gros? Qui c'est le plus fort? Et bim! Cool. Ok, ah non, lui il est pas fini. Et il va pas se finir tout seul puisque ma tour ne va pas le toucher. Il n'y a pas de tour de ce côté. Ok, c'est finish. C'est finito. Très bien. Pour l'instant, un upgrade du store. Le store, on l'a déjà. Taverne. Pour recruter. Upgrade. On a tout ce qu'il faut. Donc il me faut des builders. Et des looters. Des mecs qui ramassent ce qu'il y a au sol. 61%, 60%, 97%. Hop là là! Stop! Stop, 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 réfléchissons. Alors, il me propose de build Strobourg. Strobourg, c'est la ville en fait. Donc pour build Strobourg, il faut tout construire. Tout construire. Voilà. À partir du moment où j'ai build Strobourg, j'ai gagné. Donc il me manque toutes les towers ici et les murs. Je pense que je vais commencer à construire ici. Ah, il me manque du bois. Ah, du coup, le loot, il y en a encore besoin un peu, mais moins. Hop, et le reste, ça va être tout au bois. Deux au loot, tout au bois. Après, on a de la thune pour... combien ça va coûter en thune? J'ai mis pause, hein. 150, j'aurai assez. Est-ce que je peux récupérer avec le store? Est-ce que je peux échanger un peu? Ah putain, non, c'est trop cher. Autant qu'ils aillent chercher le bois. Alors, autant ça peut être intéressant de vendre du bois contre l'or, mais l'or contre le bois, ça vaut vraiment pas le coup. Donc c'est parti, on va chercher du bois. Jusqu'à avoir le bon montant, c'est-à-dire 40. Ok, ici. 40. On en est loin. Ici, on n'a plus besoin de ramasseur de loot. Je crois qu'on a tout récupéré. Tandis que la vague est en train de se faire. Hein, quand on regarde ici, la vague est en train de monter. 40 bientôt. Bim. Stop. Tower. Bim. On l'aura jamais à temps. Hein. On l'aura jamais à temps, mais on peut commencer à la construire. Il n'y a pas de blême. Oh putain. C'est prêt. On peut le faire. On peut le faire. We can do it, fagot. Tu peux le faire. Ah non, 34%, on pourra jamais. Pas grave, c'est pas grave. Prochain tour, on a une tour. Ok les mecs, je vais m'occuper de ces mecs là. Eh, tu vas te calmer toi. Ils me font mal. Ça picote un peu. Oh là là. Ah putain. Attention, je risque de crever. Non! Ah putain! Butez-les! Est-ce qu'on a une chance? Non, on a perdu. C'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Bah, on perd tout le loot. C'est pas grave. Je suis pas dans un mode de jeu qui fait que je vais perdre tout. Il faut que je débloque tous les niveaux technologiques. Puisqu'après, il y a la pierre, il y a le château fort, etc. Pour l'instant, il n'y a pas de souci. Je perds pas tout de suite. Je perds juste un tour. C'est pas grave. Du coup. On va build un max. Ça va bientôt être prêt d'ailleurs. 95%. Bim.
On balance tout le monde à chercher le bois. Le bois, c'est la vie. On pourrait échanger éventuellement contre de l'or. Je peux améliorer ou pas mon troll? Peut-être. Je vais vérifier ce que je peux améliorer sur le troll. Plus de life, ça c'est verrouillé. Tout est verrouillé. Ah, dis donc, une attaque supplémentaire. Ah, c'est pas mal ça. Ah, ça coûte 250. Fais chier. Le coût de base, 300. Ah, il me faut plus de thunes pour être plus fort. C'est con, j'aurais bien... Tu crois que... Attends, combien? Combien? 250? Je vais essayer de vendre de... du bois. Bim! Ah ah ah! On va l'améliorer parce que ce coup, en plus... Oh non! Salaud! Ah, ils m'ont niqué. Ils m'ont niqué. J'ai pas débloqué mon coup, c'est dommage. On va essayer de pas les aggro. Ah ouais, tu veux vraiment m'aggro, toi? Ah, parce que ça picote, hein. Ça picote, et au niveau 2, ça picote un peu plus encore. Alors, je te le dis. Hein. Boum. Voilà. On ramasse les sous, on ramasse les pipettes. Donc là, ça va être récolte de bois. Récolte de bois, amélioration du troll avec le super coup qui va bien. Donc j'aurai pas assez d'or pour fabriquer la prochaine tour, puisque la prochaine tour il m'en faut 150. Par contre on va chercher du bois, et éventuellement on pourra éventuellement revendre du bois. Combien ça coûte la revente? Combien ça rapporte? 10 bois, 42. 10 bois, 42, stop. Est-ce que j'ai assez? Je pense que j'ai assez. Nord? Ouais, nord. Ah ah! Les mecs, fuck le bois. Ah putain, y a pas de looter. Fuck le bois et chope le loot. Voilà. Et même plus de loot parce que sinon on va tout perdre. Je me suis pas fâché pour rien. Ok, ça va, on a tout récupéré le loot, je pense que on va tout mettre en build. Oui, putain, la tour est bonne. La tour est bonne, les mecs. Allez, tous au bois. Non, oh fuck. Fuck, 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 fuck. Oh, j'ai le coup là, j'ai le coup d'attaque. Ça va être cool, ça va être cool. Faut penser à améliorer tout ce bordel, sinon... Bah... Et bim, t'as vu? Ça picote, hein. Ça, c'est le coup qui peut te sauver. Surtout quand t'es entouré de personnes. On va récupérer tout l'or. Bim. Récupération du loot. Avec la moitié qui vont au bois. Plus que la moitié, voilà, comme ça. Est-ce qu'on peut upgrade? On va aller dans le Town Hall et on va voir si on peut upgrade nos petits bonhommes qui iront plus vite et qui seront plus efficaces. Il n'y a pas de raison. Par contre, là, je vais pas récupérer de l'or tout de suite. C'est pas grave, ça sera pour le prochain tour. Par contre, moi j'aurais pu les aider à récupérer l'or, tout simplement en marchant. Puisque l'or traîne en fait. Dis donc, plus de loot. Hein. C'est bien beau, mais. Là, a priori, on a tout ce qu'il faut pour faire la troisième, dernière tour. Ok, ils sont en train de se préparer. Moi je pense qu'on a besoin de fric là sur ce coup-là. Donc j'attaque. Ah, je leur mets tellement dans la gueule qu'ils comprennent que dalle. Ok. En fait, je suis allé les chercher pour pouvoir enchaîner. Puisque j'étais prêt, autant faire en sorte d'être en... qu'ils aient pas la supériorité numérique. Je récupère un petit peu de loot comme ça. Et puis, récupère l'or dont j'ai besoin pour enchaîner la prochaine construction. C'est-à-dire ma dernière tour. Bah déjà, ça commence à sentir bon. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais ça sent très 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 bon. Alors, il y a encore des clients? Il y a encore des clients? Hein, les pépères? Allez, barrez-vous. C'est bon. Très bien. Ramasse l'or. Du loot, c'est bon. Du loot et du bois. Parfait. Alors, tu me soignes, y a pas de problème. Est-ce que tu es en train de me soigner là? Ouais, ouais, je suis full soin. Du coup, on va faire la dernière tour. Kling. Cling, cling, cling. Alors, je vous conseille, avant d'aller à la deuxième tour, même si vous avez tout construit, de continuer à améliorer celle-là. Parce que vous bénéficierez des bonus pour le prochain, pour la prochaine tour. Et ça, c'est important. Je me suis déjà fait U. Upgrade. Oh, c'est bon. J'ai déjà. Ok, donc on va arrêter le bois. Et
on va bourrer les builders. Est-ce que je peux, dans le Town Hall, améliorer... Non, il me manque de l'or. Pas grave. Est-ce que je peux améliorer mon troll? Ah, il y a des quoi? Des équipements avec? Une furie, une charge, plus de vie. Ah, ça coûte cher. Je peux ramener directement le loot, ça peut être pas mal en fait. Ah, ça coûte cher. Une charge 270. Et on peut améliorer éventuellement le coût. D'accord, d'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On met tout le loot a été ramassé, on va mettre tous les builders dessus. On va fabriquer, je pense qu'on va être bon. Bim! Le bois. Le bois parce que le prochain tour, c'est les murs, les mecs. Allez, c'est bon, allez-y, ramassez un maximum de bois. Les murs, ça va être combien? Oh merde, on n'a pas vu. On n'a pas vu! Allez, on va attendre. On va attendre qu'ils arrivent pour faire nos grosses attaques. Bien sûr, il faudra réparer tout ce bordel. Attention, parce que là, il y a du gros quand même. Hein. Ah merde, j'ai mis le coup pour rien. C'est un boss ou quoi? Vas-y, putain, tape, 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 tape. Ok, c'est bon. Premier boss. Oh, oh merde! Fuck! Ok, mec. Je me suis planté. Puisque ils ont bousillé le mur, tout simplement. J'ai pas 200 or ni tout ça. Donc, on va ramasser le bois. On va le faire en accéléré. Ramasser tout le bois possible. Éventuellement, vendre un petit peu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réparer quelque chose ou il n'y a pas de boulot? Possible qu'il n'y ait pas de boulot. Non, a priori, il n'y a pas de boulot. Puisque ça a été reset. Oh, putain. Attention. C'est pas grave, on va prendre tout le bois, on va faire cette vague là. Est-ce que j'ai un peu d'or? Non, l'or il va falloir le garder pour les murs. Combien il faut pour les murs? 200. Je pourrais bien sûr vendre du bois. Du bois, du bois, du bois. Merde, c'est ici. Store. Et bim, on est bon. On a tout ce qu'il faut les mecs, on y va. Les murs. Upgrade. Build. Allez, on est prêt. On survit à cette vague et on est bon. De toute façon, même si on n'y survit pas, on est bon puisqu'on va finir notre village. Par contre, là, la dernière vague, elle m'a bien défoncé. Ok, lui, il m'a aggro. On va taper tous ceux qui nous aggro. Alors attention, parce que bien sûr, il faut pas que les murs, ils pètent. Hein. On vient de s'en rendre compte. Ok, c'est bon, c'est réglé. Super. Donc tout le monde au build. Fabriquez-moi ce mur. Attends, tout le monde au build. Je dis ça, mais pas du tout. Il faut un peu de gens au loot, hein, quand même. Le mur, ça augmente. On va être bon. Super. Tout le monde au loot. Feignant. Super. On a gagné. Alors, elle a été construite assez. Merci. Est-ce que on peut aider les voisins à construire leur propre forteresse? Non, je veux pas tout de suite. Je veux pas tout de suite puisque j'ai envie de continuer à améliorer mon troll, peut-être avec cette version facile du jeu. Enfin, cette version facile, celle pour apprendre. Et je vous dis à très bientôt sur Fantabob Games. Je sais pas si je ferai d'autres vidéos sur le sujet. C'est vous qui voyez. Personnellement, j'ai passé un bon moment. Ça me dérange pas de faire un mini LP de Fantas, ça vous dit. Je sais, j'ai aussi déjà des séries en cours. Donc forcément, multiplier au-delà de la découverte les mini-séries. Je sais pas si ça va vous brancher. Donc c'est vous qui me dites. Attends, un petit pouce bleu parce que vous aimez Fantabob Games. Un petit abonnement si vous ne nous connaissiez pas. Parce que c'est comme ça que tu verras toutes les bonnes sorties et les bons plans. Et puis du fun, bien sûr, en compagnie du magnifique Bob Lennon. Je vous fais des bisous, c'était Fanta. Allez, bises.